Des révélations sensationnelles. Ouais, plus ça monte, plus ça monte. Le gars, il est cuit. Faut finir, hein. Fichtre, mais que fait le jardinier? Ça m'emmène où, cette histoire-là? Et là, ça devient n'importe quoi, là. On n'est pas là pour acheter du terrain. Fini le tourisme. On n'est pas là pour acheter du terrain, quand même, hein. Ou peut-être que si, en fait. Il y a quelque chose dans le coin, là. Je choisis les racines. Ouah. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est bon, ça. Suis-je perdu loin de chez moi? Donc moi, je suis le point bleu, là, et c'est ici. Et le voilà, enfin. Ça va tout loin, tout loin, tout loin, tout loin. La pyramide du Louvre. La pyramide de Buc. Je grimpe au mur. Allez. Les VTT, ça roule plus vite. Ça marche pour moi. Découvre la rando vue du ciel. Here we go! Petite marche. Alors, le plan dit quoi? Le plan dit à gauche. Il n'y a pas de gauche. Bon, bah, je profite de ce petit moment perdu pour faire l'intro. Donc, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, on va tenter d'aller voir l'aqueduc de Buc. Donc, c'est un parcours qui passe par la forêt de Verrières, que je connais, mais qui va donc jusque dans le 78. Moi qui habite dans le 91. Et donc, c'est juste le côté touristique, hein. Et puis, c'est l'occasion aussi de découvrir des chemins que j'ai encore jamais fait, évidemment. Donc, l'aller-retour 62 km. Donc, j'espère que cette petite rando-visite vous plaira. Moi, en tout cas, j'ai bien l'intention de me faire plaisir. Aujourd'hui, c'est grand soleil. Il fait un peu frais, mais finalement, en pédalant, on se réchauffe et la température est idéale. Donc, je vais essayer de retrouver mon chemin et puis c'est reparti. Un cimetière de voitures brûlées. Incroyable, il y en a partout. Et voilà, derrière, ça monte. Oh, le mur. Oh, la vache. Ouais, plus ça monte, plus ça monte. Ça la pique. Oh, la vache. Ouh. Ah, ça mérite la forêt de Verrières, je vous le dis. Ah, je vous avais dit que c'était fini? Ben pas du tout. Alors là, ce que je vois devant moi, ça me coupe déjà les jambes. Ah. Je sais pas si vous voyez la tête. Oh, avec l'ombre. Et là, je suis cuit. Bon, tout ça, on va le redescendre à jour. Vu la longueur de la montée, ça doit faire une belle descente, j'espère. Pas fini, hein. Bon, je suis pas remis encore de cette grimpette monumentale, mais on attaque les singles. Ça fait plaisir. Oh. J'ai mal aux fesses. Pourtant, on est à 15 bornes. En fait, là, je suis resté beaucoup assis. Ouais, j'ai du mal à le trouver, ça m'étonne pas. C'est tout fou dans le coin. Oh la vache, la tête! Je vois rien avec les solaires! C'est complètement sombre. J'espère que je suis dans le bon chemin. Ah, c'est incroyable, la lumière! Qui est complètement disparue. Tellement c'est touffu. Oh! Je vais en prendre des chenilles, moi. C'est tellement touffu qu'il y a encore de l'eau. Oula! Alors qu'il n'a pas plu depuis un bout de temps. Ça m'emmène où, cette histoire-là? Ah. Oh là 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 là! C'est quoi ce plan? Il y a des gens qui passent, hein, parce que... Il y a des légères traces de vélo dans la boue. Et là, ça devient n'importe quoi, là. Eh ben... Quelle aventure! Mais c'est pas terminé! Ah, ça part rater à droite. Ça part à droite là. Ah oui. Ouais, c'est bon. Ah là là. Un petit
puis les racines de ouf là. Je vais me faire déchirer les jambes et les bras là. Aïe 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 aïe. En plus il y a des grosses racines planquées sous la végétation. Moi qui voulais du single, j'ai été gâté là. Bon, faut penser à regarder le GPS parce que c'est plein de... Oula. C'est plein de trous. C'est plein de petits tours à droite à gauche. Et au milieu du grand nid droite en plus. Donc toi tu t'en vas à fond et puis mince, quand tu regardes le compteur, le GPS, bah t'es plus dans la ligne parce que c'était à droite ou à gauche. Bah faut choisir entre regarder la trace et regarder la route. Même si encore un trou, on peut faire les deux certes. Mais il faut quand même être prudent quoi. Alors ça c'est marrant. On est au milieu d'une clairière là. Et Astérix et Obélix qui ont dû passer dans le coin. Avec ces rochers là, c'est chelou. Là sur la bonne vitesse. Alors. J'ai loupé l'entrée de ce sentier, c'est fou. Enfin, il est quand même pratiqué. Allez, regardez ces rochers là. C'est pas naturel quoi. Bon allez, fini le tourisme. On n'est pas là pour acheter du terrain quand même. Hein. Oh, il y a des arbres partout écroulés. Hein. Les tempêtes ces derniers temps là ont fait du dégât. Oh. Ils vont finir par nous la raser comme les autres forêts. Sans moi que les arbres sont malades. Bon bah voilà un peu de lecture pour ceux qui ont envie. J'ai pas lu ce que c'était du coup. Mais il y a quelque chose dans le coin là. Bon bah faudra que je lise alors. Moi qui fais le touriste. Qu'est-ce que ça dit alors? En ce lieu se sont élevés successivement un castrum gallo-romain, une tour de surveillance. Ah bah elle a disparu hein. En bois. Puis un donjon, bah, il a disparu aussi. Il fut rasé par les troupes anglaises pendant la guerre de 100 ans en 1358. Il ne reste que cette salle basse longtemps enterrée. Ah, c'est single. Oups, la racine. C'est trop bon. Oh, il y a des trucs cachés en plus en dessous, la végétation là. Ah là là. Pas ce petit single. Mais les cailloux et racines. Faut faire attention l'hiver. Le gars qui prend au milieu des racines. Enfin, je suis les gars là-bas. De la squelette. Excellent. Voilà, on est à 30 bornes tout pile. Un peu moins de la moitié. Pour l'instant, les guibolles, ça va. Ouah. C'est bon ça. Alors on le paye direct. Oui ça. Voilà. Bon bah voilà, 32,6 km. On est je ne sais où. Ça avance bien. Je vais pas tarder à faire la pause. Mais bon, bah on continue hein. Bon, ça s'appelle, je viens de croiser le carrefour des mares. Alors, je viens dans un coin à moustiques, j'ai sûrement regretté. Apparemment, ça a été réhabilité. Bon, là, c'est sec parce que je ne peux plus trop en ce moment. Mais ça doit être beau quand il y a un peu d'eau. Allez, on prend la bête. Bon, tout à l'heure, je vois des descentes à droite à gauche. Apparemment, c'est mon tour pour une descente. Ouais.
C'est pas mal du tout même. On risque de le payer. Un petit rock garden. Ah ouais, ça descend bien sur le côté gauche là. On continue la descente. Ah, j'y vais quand même mollo parce que je connais pas du tout. Hop. Ouais, bah vaut mieux y aller mollo hein, parce qu'il y a des cailloux, surtout qu'il y a quelqu'un en face. Ouah, puis ça tape hein. Ah bah nous voilà en bas. Bon voilà, je suis à la gare de Petit-Jouy-les-Lauges. Bon bah je suis à 35 km, je commence à m'inquiéter de ne pas voir la queue duc. Je me suis dit je l'ai pas loupé quand même, un gros machin pareil. Et apparemment, d'après le plan, je sais pas si vous verrez quelque chose. Donc moi je suis le point bleu, voilà, et c'est ici. Donc ça devrait plus tarder. Bon bah du coup, je me fais une petite compote. Et puis on y retourne. Allez go! Ouais, c'est super beau dans le coin. Regardez-moi ça. La forêt partout. Juste quelques prairies pour les chevaux. Magnifique. Regardez. Une maison par-ci par-là. Et voilà, je discute. Et le voilà. Bien sûr, c'est au moment où il y a un avion de chasse qui passe. Merci les gars. Oui, c'est lui que je suis venu voir. C'est impressionnant. Ça va tout loin. Regardez-moi cette voûte. Ça va vous faire un tour à torticolis, mais splendide. C'est marrant, ça résonne alors que c'est complètement ouvert. Regardez cette architecture incroyable. Bon, j'attendais un moment d'accalmie parce que l'air de rien, il y a du passage. Mais comme quoi, on savait faire des choses solides à l'époque. Allez, c'est reparti. Un petit pont de bois. Je sais pas si c'est celui de la chanson. En tout cas, c'est mignon ce coin. Regardez de l'autre côté, les petits les nénuphars. La pyramide de Buc. C'est comme du sel du Louvre, mais en plus petit. Avec une église toute refaite là. C'est une place superbe. Magnifique. Même la mairie, elle est jolie. C'est l'heure de la messe. Quand je vous disais que c'était joli le coin, regardez-moi ça. Cours de tennis au milieu des prés à chevaux avec la forêt autour. Splendide. Il y en a une sacrée là, une sévère. Allez. Yes. Oh, je sais pas s'il faut aller jusqu'en haut. Oh là là. Oh, c'est mort. C'est mort. Oh. Même à pied ça glisse. Oh, yes. À mon avis c'était bon dans l'autre sens. On se fout bien devant la selle. Allez. Ah. Ah. Yes. Ouh. Punaise. Ah la vache. Ah. Un quart d'heure pour un coup là. Petite maison de campagne. Sympathique.
voyez là, la belle descente qu'on vient de se faire en bitume. Bah, il y a la même chose, mais à remonter. On va y arriver, hein. Là, je suis sur le 50 et ça grimpe. Hein. C'est à deux doigts de cabrer, là. Couché sur le vélo. Les jambes qui commencent à piquer. Ça brûle. Mais ça passe. Oh, j'ai l'impression que c'était monté juste pour la redescendre direct. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche, ça. Ouh. Bon, je suis déjà à 45 km, là. Oh là là, ça grimpe partout. Je suis en train de payer toutes les descentes. Oh, regardez ça. Vous verrez rien, mais ça pique. Je vous le dis. Ah là là. C'est dur. Je pars en bas. Bon, plus tout à l'heure, c'est que ça, monter, descendre, monter, descendre. Tout ça, il y a des ronces. Aïe. Ouais, c'est qu'en ciel, là, il commence à faire son effet, là. Je vous en ai laissé plein, mais ça n'arrête pas. Oh, les ronces. Ah, ça pousse de ouf. On va presque faire sans les mains. Ouah, le caillou. Ouah, les ronces. Oh, ça va. Sur la bonne trace. Ouah, l'arbre. On ne dit pas qu'il faut prendre le pont là. Je ne sens pas le pont. Pas du tout même. Alors, on aura fait des descentes dans le bitume. Et voilà, c'est avec ces signes, ces petites poules d'eau, que se termine cette vidéo. J'espère que cette rando vous a plu. En tout cas, ça grimpait bien, mes cuisses s'en souviennent. Ça descendait pas mal, mais du coup, comme je connais pas trop, je freine un peu. Hein. Bon, ça descend quand même, hein, faut pas déconner, mais c'est vrai que pour en profiter pleinement, c'est mieux déjà avoir fait le chemin au moins une fois, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir bien roulé, d'avoir bien profité. L'aqueduc, bah, comme je m'y attendais, c'est quand même une sacrée infrastructure. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis surtout, profitez bien du beau temps. Allez, salut! It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So
So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down.